Darius McGregor et José Aldo. José Aldo, qui avant de passer au combat, aurait pu faire carrière dans le foot. Ah, c'est pour ça qu'il est aussi doué avec ses kicks. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Voici Conor McGregor, qui restera comme le premier Irlandais à avoir participé à l'UFC. Il est fier de ses origines. Il n'hésite pas à les afficher d'ailleurs. Menton de granit, ça pourrait être son surnom. Ce combattant peut beaucoup, beaucoup encaisser. En général, ses adversaires sont fatigués avant de commencer à lui faire mal. Et c'est à ce moment qu'il prend le dessus pour remporter la victoire. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. Ces deux combattants n'ont qu'un an d'écart et ils font quasiment la même taille avec une allonge différente. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois, it's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai kickboxer holding a professional record of 31 wins, 8 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the former UFC featherweight champion of the world, José Aldo Jr. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor All right, commit to the rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. On a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corners, come out fighting. On se touche les gants et on attend le signal de l'arbitre pour commencer le combat. Conor McGregor, José Aldo. Donc McGregor et Aldo dans l'octogone ce soir, en espérant que le combat dure un peu. Exact, en 2015, Conor McGregor terrassait la légende des poids plumes José Aldo dans l'un des combats les plus attendus de l'histoire du MMA et aussi le plus rapide avec seulement 13 secondes de combat. C'est court, il touche avec ce high kick.
prend sa tête. En garde montée. Le combat va continuer debout. Très beau low kick. Crochet à la tête. Parfaitement placé. Il porte un nouveau crochet. Aldo rate son crochet du gauche. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Il a touché avec ses poings. Comme quoi, il a bien fait de travailler sa boxe. Superbe spinning backfist. Conor McGregor a décidé d'utiliser toutes ses qualités de boxeur. Un régal. Il rentre en clinch. Eh oui, belle projection de hanche. Vous avez vu avec quelle vitesse il a placé sa jambe pour aller chercher la bascule. Ah, retour en side control. Il se relève encore une fois. Superbe low kick par McGregor. Incroyable échange entre nos deux combattants. Encore une, il est sonné. Et ça passe à côté. High kick, il est sonné. Il le touche. Quelle distribution, quel beau mélange. Et ça touche. Ouh, ce low kick a dû faire mal. Il reprend ses esprits en profitant du clinch. Il voit des étoiles à cause de ce coup de pied. Série punitive. Et allez, tout le monde en clinch. Déjà fatigué, rien que de les voir. Oui, c'est un exercice fatigant, en effet. Vous devez toujours essayer de fatiguer votre adversaire, c'est tout. 30 secondes. Il marque des points. Il rate son gauche. Superbe crochet à la tête. Sa jambe est touchée, ça se voit. Fin du premier round. On va revoir les actions de ce round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Allez, le deuxième round avec Conor McGregor contre José Aldo. Beaucoup de points de Aldo. High kick parfaitement bloqué. Et c'est fini. Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On voit bien la puissance du kick ici. Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta calls a stop to this contest at 26 seconds of round number two. Declaring the winner by knockout, the North.